Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Vachelon, Hana, Janine Ruth, Bet Fortune, Mazel Fritna, Kloch, Lomo, Ben Shalom, et Shaya, Ben Linda, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Pea, Perek, Chet, Mishnah Chet. Mishesh lo Mataim Zuz, Loitol, Leket, Shechecha, Upea, ou Maaser, Ani. Ayulo, Mataim, Chaser, Dinar, Afilo, Elef, Notnim, Loke, Achat. Areze, Itol. Afilo, Notnim, Loke, Achat. On a une Mishnah maintenant qui s'intéresse à savoir qui est en droit de recevoir. On a déjà évoqué le sujet en fin de la première Mishnah précédente avec à présent qui est considéré comme pauvre pour recevoir les différents dons. Et on va s'intéresser plus précisément pour savoir lequel Shikha ou Péa. Mishesh lo Mataim Zuz. Celui qui possède une richesse suffisante de 200 zouz, une valeur de 200 zouz, je vais vous expliquer après c'est quoi 200 zouz, loitol leket shechecha upea ou maaser ani. Il ne sera plus en droit de recevoir le leket, la shechecha, la pea, tout ce qu'on a, les différents dons qu'on a pris dans toute la maserhet. Il n'est plus en droit parce qu'il est plus considéré comme pauvre. Maintenant, cette quantité de 200 zouz, alors c'est précisé comme ça que. Ça suffit, c'est une quantité nécessaire pour un an, pour avoir la parnassa pendant un an. C'est ce qui est nécessaire, il ne s'agit pas de manger des bons yaourts à chaque repas, de quoi s'en sortir. C'est le minimum, 200 euros, c'est le minimum par personne, c'est le minimum pour pouvoir tirer un an, on a de quoi manger. On a de quoi manger, on n'est pas en train de crever de faim, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas non plus, pour le moment, c'est pas la diète. Ok, il y a de quoi manger ce qu'il faut. Alors du coup, on n'a pas le droit, on est considéré pour le moment comme riche. Ça, 200 zouz, c'est pour quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui travaille, qui a un macor de parnassa, ça aussi, c'est rapporté je ne sais plus où. Alors, il a une parnassa, même si tu ne les as pas en main, mais tu as de quoi produire, donc tu n'es plus en droit de recevoir le leket shechecha upea. Parce que tout celui qui est productif, il a à y produire. Et qui reçoit la parnassa, alors il faut la recevoir. Il ne faut pas tomber sur les pauvres. On aura une Mishnah merveilleuse à la prochaine Mishnah, la dernière Mishnah de la Maserhet Bezrat Hashem. Sur ça. Ensuite, maintenant, la Mishnah me dit maintenant, si j'avais Ayolo Mataim Chaser Dinar, maintenant, il n'avait pas les 212, mais il avait 200, il avait 199. 200 moins 1. Mataim Chaser Dinar. Un zouz et un dinar, c'est la même chose. Ah, il avait 212 moins 1, donc 199. Donc maintenant, il n'a plus la quantité nécessaire pour une année. Regardez. Afilo elef notnim lo kachat, même s'il a 1000 personnes qui viennent lui donner en même temps, à Rezeitol, il a le droit de prendre. Parce que comme il est considéré comme pauvre, j'ai fait un appel parce que je suis pauvre. Pourquoi je suis pauvre? Parce que j'ai 199, il me manque. Donc je suis en droit de recevoir. Là, on a le droit de me donner même 1000 personnes qui vont me donner tous en même temps. Je reçois de tout le monde en même temps, j'ai pas de problème. Même s'il s'avère qu'après avoir reçu, je suis passé à 2012 d'un coup. Parce que chacun il a eu pitié de moi, ils m'aiment tellement, ils m'ont donné beaucoup. Pour le moment, le principe il est très simple, c'est qu'on n'a jamais dit que quelqu'un qui a 212, ça lui suffit amplement pour vivre. C'est juste que c'est le minimum. Donc il est en difficulté maintenant. Quelqu'un qui est en difficulté mais qui s'en sort, il n'est pas en droit de recevoir. Mais dès qu'il est réellement en droit de recevoir, alors viens de lui franchement, et qu'il ait de quoi vivre largement, donc du coup, même LF, ils pourront même lui donner en même temps, parce qu'en ayant si j'ai son pauvre, qu'il faut aider, tout ce qu'il a reçu, c'est sa part d'un ça, d'accord? Il y a plein de sujets intéressants autour de ça. Quelqu'un qui est parti en tournée pour ramasser de l'argent. D'accord? Il va ramasser de l'argent. Il a prévu qu'aujourd'hui, je vais partir dans cette Keïla, ou bien je vais partir dans ce quartier, ce secteur. Je vais partir ramasser de l'argent, parce que j'en ai très besoin. Partir ramasser de l'argent à Paris 19e. Je vais aller dans le 19e. Et finalement, le premier, il m'a déjà rempli un chèque qui a couvert que je suis passé au-dessus des 212. Est-ce que j'ai le droit de continuer? Ou est-ce qu'on va dire que non? Oui, je suis dans la même tournée. Ou bien, là, je ne reçois pas tout en même temps. J'ai déjà reçu un, donc maintenant, je suis plus pauvre. D'un autre côté, alors quoi, je reviens de chez moi avec ça. Je finis ce capital en 5 jours, je reviens de nouveau. Comment? Alors, sur ça, le principe étant que je suis dans la même tournée, ça s'appelle que je suis encore Bevatachat. Comme ce que le Michel a dit, 9000 qui donnent en même temps, ça s'appelle encore 1000 qui donnent en même temps, puisque je suis dans la même tournée. Ok? Maintenant, autre sujet. J'ai 312. Le problème, c'est que Ayoumé Mouchkanin, les Balchovo, les Ktuvat Ishto.
Ils sont engagés maintenant, ils ont une garantie sur eux, pour un Baal Khov, je dois une dette que je dois rembourser prochainement, de 120 zouz, j'ai que 300 zouz moi. Donc, et j'ai pas le droit maintenant d'utiliser cet argent pour aller en faire autre chose. Je suis obligé de le laisser à disposition pour que lorsqu'il va venir mon créancier, il puisse récupérer cet argent. Ou encore pour payer la ktouba tishto, pour payer la ktouba de sa femme, et c'est même sa femme pour le moment, il est marié avec elle. Mais du coup, il est limité, il n'a pas le droit d'utiliser tout ça, il a une obligation, un tsav ikul. Il n'a pas le droit d'utiliser cet argent, il est obligé de le laisser à disposition pour sa femme. Alors quoi? Dans ce cas-là, Arizé Itol, il a le droit de ramasser l'argent parce qu'il est en difficulté, il a de quoi vendre ce bien-là, mais il n'a pas le droit de le vendre parce qu'il doit laisser à disposition pour sa femme ou pour sa dette. Donc, ça s'appelle qu'il n'a pas les 212. Ça implique même les 212, il faut savoir. Même si je voulais peut-être l'introduire. Même des fois, il doit vendre, c'est bien. On n'a pas dit de les vendre à perte, de les vendre n'importe comment. De les vendre, constamment de les vendre au bon prix, tu vends et tu ne vis pas sur le compte de la Tzedaka. Autant que possible, tu évites de vivre sur le compte de la Tzedaka parce que tu as les moyens. Et là, on parle de quelqu'un qui n'a pas le droit de vendre parce qu'il doit le laisser à disposition pour sa famille, comme on l'a dit. Ensuite, En Mechavin Otolim Kor et Beto Vet Klet Hashmisho, la Mishnah me dit attention, on ne force pas, on n'impose pas à une personne, je lui dis tu veux venir recevoir la Koupa Tzedaka. Commence d'abord par vendre tes biens. Il est devenu pauvre, il n'a pas réussi, il n'a pas rentré une pièce depuis maintenant 2 mois qu'il travaille, il a son magasin ouvert tous les jours, il dérouille pas, comme on dit. Il n'a pas du tout réussi à vendre, maintenant il va voir la Koupa Tzedaka. La Koupa Tzedaka va dire, écoute moi cher ami, on veut bien t'aider, mais d'abord commence par vendre ta belle voiture. Comment on peut continuer ensuite à vendre pas? Alors la Mishnah apparemment, elle me dit, on ne force pas à vendre sa maison et ses ustensiles. Alors vient le partenariat et nous dit comme ça. Attention, les beaux habits qu'il utilise pour Shabbat et pour les fêtes, on ne l'oblige pas de les vendre. Mais attention, c'est que lorsqu'il veut prendre la Ketchikha Opea et la Koupa Tzedaka. Par contre, si jamais il veut prendre maintenant des dons qui sont spécifiquement que pour les pauvres qu'on fait de manière comme le Tamkhoui ou même comme la Koupa Tzedaka plutôt, ça rapporte dans le Bartanora, là on lui dit écoute-moi, là, il y a 2 minutes. Tu viens pas, tu gardes tes beaux biens, et tu viens vivre comme un pauvre, et tu viens faire la queue avec tous les pauvres qui attendent pour recevoir leur petit couvert de la journée. Non, là ça marche plus. C'est-à-dire, comme on a vu dans la méchante précédente, les différents dons qu'on fait pour la Tzedaka, les différents caisses qu'on prévoit de distribuer pour les pauvres, alors il y a plusieurs niveaux. Et selon le cas, alors là maintenant, on parle d'une personne que le pauvre, il n'a pas réussi à dérouiller, il est dans une situation difficile, il n'a pas des biens superflus, il a vraiment ce qu'il a besoin pour lui, pour manger, vivre, dormir, continuer comme ce qu'il a, une voiture potable pour rouler avec, on lui laisse d'abord, c'est comme le principe de Messadrim le Baal Khov, et le même à la chôte, quoi laisser précisément. Au-delà, ce qui est en plus, bien sûr, suivant si c'est du superflu, ouais, tu ne gardes pas 2 voitures quand tu es en difficulté et tu tombes sur le compte des autres. D'abord, le superflu, tu gardes ce qui est l'essentiel pour toi. L'essentiel, on ne va pas commencer à te casser la tête à vendre ton beau costume que tu utilises à Shabbat ou que tu utilises à Yom Tov, c'est un costume spécial pour Yom Tov, on ne va pas être obligé de le vendre cette fois-ci, mais à condition que tu viens recevoir, que tu viens réclamer juste qu'on t'aide avec les caisses d'épaule qu'on donne Betsina, ce qu'on donne de manière discrète. Mais dès qu'il s'agit maintenant de devenir un vrai pauvre comme tout le monde qui fait la queue, alors là, dans ce cas-là, d'abord tu commences d'abord par épuiser tous les biens qui sont un peu plus, quoi, et après tu pourras venir recevoir tous ces biens, d'accord? Et tu pourras recevoir les dons des pauvres, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une pleine de la sacra comme tout ça.